Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Freddy Mix Tattoo. Tout d'abord un grand merci à tous nos abonnés à notre chaîne YouTube qui nous suivent depuis plusieurs années maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle machine Thunder de Cheyenne. Une machine ne nécessitant aucun réglage, si ce n'est que l'ajustement du voltage, le changement des aiguilles, aussi appelées cartouches, très simple d'utilisation, et aussi ainsi que l'ajustement de la sortie de l'aiguille qui se fait selon votre besoin et votre façon de tatouer. Il suffit de tourner le manchon sur lui-même. La cartouche originale Cheyenne fait en sorte que l'encre et le sang à l'intérieur de la buse ne toucheront en aucun cas l'intérieur de votre machine grâce à une membrane de protection. Il s'agit de matériel professionnel, 100% allemand, permettant un travail de qualité. L'utilisation de l'alimentation Cheyenne PU demande entre 120 et 130 coups sur le compteur pour pouvoir faire un traçage correct. Et entre 90 et 100 coups, selon votre façon et votre technique de travailler, pour pouvoir faire de l'ombrage ou de la couleur. Pour l'utilisation avec une alimentation standard style mini power de friction, un câble start-up aidant au démarrage est nécessaire pour partir à la bonne tension. Le voltage ensuite se situe entre 10,5 ou 10,5 et 12 volts pour le traçage. C'est souvent la tension nécessaire. Et entre 9 et 10 volts pour votre ombrage et votre couleur. La machine est très simple d'utilisation. Nous la montons en traçage. Et nous pouvons faire des essais sur pot d'entraînement. Je me mets à 12 volts. Les traits sont propres, linéaires. C'est une peau d'entraînement sur peau humaine. C'est nettement plus propre et plus facile. Et le travail est facilité avec cette machine. Une machine propre, puissante. Pas de crachat. Du travail de pro. Merci à tous pour cette vidéo. Et à très bientôt sur Freddy Mix Tattoo.